des traits sur les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, de grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, on saute au plafond. You! Non, 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 tu es saute, tu es saute. Allez, dis. Bon, mais dis, tu veux éclater. Ah oh, oui, mais tu, ça va faire pops, pops, pops. On a tous un peut-être pas un clown en nous, mais quand même une partie d'enfance en nous. Oh. Oh. C'est ça, le bonheur. On voit sourire, on voit des sourires. À temps court, mais quand même. Mes passants disaient, veux-tu les cacher? Moi, je lui disais, veux-tu les lécher? Oh, dis, est-ce que ce sont des paroles de clown, ça? Oh, c'est pas bien méchant, d'ailleurs. Quand on arrive à l'hôpital, on ne sait jamais l'énergie qu'on va avoir, parce que naturellement, un jour on aime bien, un jour on aime moins bien, on essaye de donner le meilleur de soi. On a du matin. Voilà. On essaye que tout est propre. Hein. Une fois qu'on positionne le nez, qu'on chausse le nez, comme on dit, on est une autre personne. Regarde, Flavie, bravo. C'est une belle fleur. Dis bravo. Joli coquelicot. Ah non, c'est pas un coquelicot, soit. C'est une Marguerite. Dis. Marguerite. Marguerite, ma petite, vous avez des grands yeux bleus. 133, Arthur. Arthur, 2 ans. 132. 2 ans. Allez, on y va. Ça, on va mettre là. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. On a quelques consignes. Cet enfant-là est contagieux. C'est vraiment des... C'est juste ça que nous savons. Nous ne savons pas leur pathologie et c'est très, très, très bien. On n'est pas là pour ça. Et c'est aussi une protection... pour nous-mêmes. Là, là, là. Bravo. On peut rentrer, tu nous invites. Allez, pistache, vas-y. Il faut rentrer alors. Ah ouais. Je rentre en reculons. Oui, elle est longue. Bien, bien, ouais. Oh, bah, c'est une experte. Ah, oui. Regarde, waouh. Wow. Lâche la balle, là. Fais la passe dans votre main. Doucement. Oh. Je crois que quand vous êtes en clown, vous avez une certaine empathie. Tu veux taper? C'est Marguerite, la meilleure amie de maman. Elle habite dans une ferme à la campagne. Maintenant que je suis retraitée, eh bien, c'était l'occasion de surtout être active et j'ai postulé pour Hopi Clown et j'en suis très heureuse. Oh, 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 en plein cœur. Et moi aussi. Oh, 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 il m'a eu. Ça, c'est aussi un cirque. J'ai terminé ma carrière chez Deleuze. J'ai travaillé 45 ans chez Deleuze, c'est aussi un théâtre, ça. Des bons, qui fait des bons, du parterre jusqu'au plafond, du parterre jusqu'au plafond. C'est pour toi, regarde, c'est un nez. Hop, tu veux que je le mette? Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, poisson dans l'eau, petit moulin a bien tourné, petites mains ont bien tapé. Petit oiseau ont bien volé, petits poissons ont bien nagé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on vous explique de vous protéger, mais vous restez jamais insensible. Naturellement, tous les enfants me marquent. Hein. On ne connaît pas toutes leurs histoires, mais parfois on nous dit ça, c'est un enfant qui attend un placement. Et ça me touche, les enfants seuls. Et surtout plus petits, parce que... Ils ne comprennent pas encore.
Ouh, oh, tu viens derrière moi. Oui. Mais tu fais, tu fais semblant parce qu'on va squatter la valise. Oui. Même si moi, fondamentalement, je pensais que j'en avais pas besoin, je trouve un réel plaisir à aller une fois par mois là. Et ça passe avec tout le monde, j'aime bien. Avec les filles, je ne sais pas, je ne sais pas, quand il le faut, quand il faut pas, quand il faut pas, parler de nana ou bien parler d'amour. Si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Gardez-les s'envoler, c'est beau. Dans ma prochaine vie, j'essaierai de me canaliser, de faire une chose ou deux, je sais pas. Et ben voilà, je m'appelle Eliane Van Beneden et j'ai 63 ans et très dynamique. Voilà.